Ah, je vois un message de Dominique, top. Ok, top. Eh ben, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire MBS Alumni. Alors c'est un contexte un petit peu particulier qu'on partage tous ensemble. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je fais partie de l'association des diplômés depuis quelques années et puis je suis sorti de la promotion 2010. Et depuis quelques années aussi, je m'occupe de l'antenne Île-de-France, où j'ai eu le plaisir de rencontrer Carole, qui nous fait le plaisir aujourd'hui de partager son expérience sur la gestion de crise. Et donc l'idée de ce Digital After Work, c'était de partager avec vous déjà un moment un peu différent de ce qu'on a l'habitude de vivre dans nos quotidiens, même si la vidéoconférence prend une grande partie de notre temps. Mais en tout cas, voilà, changer un petit peu d'environnement, changer, profiter de ce réseau aussi pour se dire que on va avoir une reconstruction derrière qui où le réseau sera nécessaire et l'entraide entre les diplômés sera importante. Donc voilà. En quelques mots, je vais présenter Carole et puis je la laisserai surtout le faire derrière. Carole est issue de la promo 1987. Elle a un parcours de direction dans de grandes sociétés industrielles et c'est à travers ses expériences passées et actuelles, puisqu'elle est toujours administratrice indépendante de groupes industriels, qu'elle va nous partager sa vision sur la gestion de crise et puis comment derrière on va pouvoir améliorer, faire en sorte que ça se passe pour le mieux dans chacun de nos expériences. Carole, je te laisse te présenter. Oui, tout d'abord, merci à toi, Sébastien, de m'avoir proposé de faire ce webinaire. Merci aussi à Sophie, à Dominique et à toute l'équipe du bureau de Montpellier Business School. Voilà, j'espère que cette petite présentation va vous intéresser. Et puis, Sébastien, tu m'interromps et puis tu poses les questions lorsque tu juges que c'est utile ou que ça peut intéresser les participants. Voilà, merci à tous et bonjour. Donc, je m'excuse, j'ai pas pu répondre à toutes les demandes d'acceptation sur LinkedIn. J'ai été un peu submergée de demandes, mais je vais le faire. Voilà, donc, pour me présenter, comme l'a dit Sébastien, donc je suis diplômée de 87, j'ai 3 enfants, je suis originaire de l'Aude, un peu au sud de Montpellier. Et donc, très rapidement, j'ai fait une première partie de carrière en finance dans le groupe International Paper, qui est le leader mondial de l'industrie du papier, dans le papier et le packaging. Ensuite, j'ai évolué vers des fonctions de DG dans le stratifié décoratif et puis dans la chimie de spécialité dans le groupe BASF, où j'avais pas mal d'ex-diplômés de Subdeco, Montpellier. Voilà, j'en avais 2 ou 3 dans mes équipes. Mmh. Ensuite, j'ai pris des fonctions de DG dans l'énergie renouvelable, dans le groupe Cadran, dont le siège était basé à Béziers, qui a été vendu ensuite à Direct Energy, puis à Total. Ensuite, j'ai dirigé la Fédération des industries des peintures, des colles et des encres et des adhésifs. Et en ce moment, comme l'a souligné Sébastien, je suis administratrice indépendante de groupes industriels familiaux comme Roquette et cotée sur l'Euronext comme Manitou dans le matériel de manutention. Donc l'idée de vous présenter la gestion de crise au travers de mon expérience, donc j'en ai vécu plusieurs, je vais vous en parler de 4 plus précisément, mais ce qui touche tout le temps, ce qui revient, ce qui est récurrent, c'est l'humain. L'humain reste toujours au centre de la gestion de la crise. La préparation, en fait, la préparation à la gestion de crise, c'est une obligation pour le dirigeant et pour ses équipes. C'est toujours bien de le préparer et d'être pro pour tout ce qui peut arriver, parce que la vie d'une entreprise, c'est aussi la crise et des choses qu'on n'avait pas prévues. Ensuite, dans la gestion de la crise, c'est la communication, bien sûr, écrite et orale, qui reste le point clé, parce que tout le monde se pose des questions, les salariés, les clients, les tiers, le maire, tous les gens, toutes les parties prenantes autour de l'entreprise, tout le monde se pose beaucoup de questions, et c'est par la communication en général qu'on y répond.
Un sujet aussi important, c'est la sortie de crise. On l'oublie, mais la sortie de crise doit être actée. À quel moment l'entreprise sort de la crise et reprend son cours normal? Et donc, les conclusions de la crise doivent être connues et partagées par tous. Voilà, ça, c'est ce qui est commun à tous les types de crises que moi, j'ai pu vivre dans ma carrière. Et donc, les crises dont je souhaitais vous parler, c'était les crises sociales, parce que c'est celle que tout le monde est le plus peut rencontrer le plus fréquemment dans sa carrière. La crise industrielle pour ceux qui, comme moi, ont passé dans l'industrie, parce que chacun sait que l'industrie, c'est dangereux. Ce sont des installations industrielles un peu dangereuses. Tout le monde a pour mémoire les problèmes Seveso qu'il y a eu sur des gros sites industriels dans le sud de la France, par exemple. Voilà, ou Lubrizol récemment. Donc ça, c'est ce que tout le monde a en tête. Donc quand on est en industrie, ben, surtout en chimie, voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille. On travaille beaucoup. Donc je comptais en parler un petit peu. Ensuite, la crise de réputation pour l'ensemble d'une profession. Comme j'étais à la FIPEC, ben, c'est vrai que là, c'est quand on représente une profession comme tous les industriels de la peinture, c'est comment on gère une crise qui touche l'ensemble de la profession. Bon, on l'a vu avec les histoires de steak haché fait à partir de viande de cheval et non pas de viande de bœuf. Ça touche toute la profession. Donc là, c'est comment on réagit à ça. Et ensuite, plus sur ce que moi je vis en ce moment et ce que nous vivons tous, c'était la crise sanitaire actuelle. Et donc, j'ai mis un prisme conseil d'administration, puisque c'était au départ de ça qu'on devait parler. On devait parler de gouvernance. Donc, ça donne une connotation un petit peu différente. Donc, moi, j'ai préparé toutes ces crises longtemps. C'est important de les préparer. Je les ai préparées seule. Et puis, je les ai préparées aussi avec mon équipe et très souvent avec l'aide de cabinets spécialisés, parce que c'est quand même un métier. Et il y a des recurring, il y a des choses qui se passent tout le temps. Et c'est bien de les préparer avec des pros, quoi. Donc, si tu veux m'interrompre, hein, Sébastien, m'interrompre, voilà. Oui, alors il y avait juste, j'en profite, puisque c'était le sujet qu'on avait imaginé à la base, c'était que tu nous expliques, du moins, ton métier, donc le métier d'administrateur indépendant, et on a une question d'Alexandre qui nous demande justement quelle est la différence entre un administrateur classique et un administrateur indépendant. En fait, alors, déjà dans un conseil d'administration, en fait, c'est un collectif. Donc, en général, il y a un président, un directeur général. Donc, le directeur général, c'est lui qui gère les opérations, en fait, et qui exécute la stratégie étant validée par le conseil. Et au niveau du conseil, il y a des administrateurs. Alors, quand c'est en groupe familial, ben, il y a des administrateurs familiaux. Quand il y a des banques qui sont parties prenantes au capital, il y a des administrateurs qui représentent les banques ou la BPI ou des fonds de private equity quand ils sont parties prenantes au capital. Et puis, dans les grands groupes, il y a des administrateurs qu'on appelle indépendants, comme moi, qui représentent l'intérêt social de l'entreprise, c'est-à-dire qui représentent à la fois toutes les parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, les tiers de la région qui vivent sur l'entreprise et tout ce qu'elle apporte à la région. Donc en fait, les administrateurs indépendants, c'est devenu obligatoire dans les grands groupes depuis quelques années, parce qu'il y a eu plusieurs crises de gouvernance où on s'est aperçu que dans les conseils, n'étaient pas assez vigilants sur ce qui se passait au niveau des directions générales, et donc l'État et les codes AFEP-MEDEF ont réglementé pour que, en fait, maintenant, siègent dans des conseils des indépendants qui participent au vote du collectif de l'entreprise. Alors en ce moment, il y a aussi des administrateurs salariés et des représentants du personnel dans les grands groupes. Et les administrateurs salariés, élus par les autres salariés, votent également les résolutions du conseil. Voilà, donc quand on est indépendant, ça veut dire on n'est pas salarié, on a plusieurs mandats, on ne vit pas que de ça, et on vote avec un intérêt qui n'est autre que le collectif. On ne représente pas les actionnaires, puisqu'il y a des actionnaires familiaux, on ne représente pas que les salariés, puisqu'ils sont là, on essaye de représenter l'entreprise dans sa globalité, dans toutes ses parties prenantes. D'accord. Donc, et la mission de la gouvernance, c'est pas de se substituer à l'opérationnel, mais c'est de
de surveiller, c'est conseil d'administration, conseil de surveillance ont un peu les mêmes attributions, c'est s'assurer que l'opérationnel, le comité exécutif et le directeur général suivent la stratégie et respectent tout ce qui a prévu d'être respecté, valident les grands projets structurants d'acquisition ou de vente et tout ce qui a un impact sur le long terme de l'entreprise. Voilà. Ok, bah c'est beaucoup plus clair. Pour revenir sur la partie gestion de crise, l'idée, ce serait de voir à travers ton parcours finalement des exemples concrets qui peuvent être mis en place dans le cadre de ce type de crise et faire le lien effectivement avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure par exemple de la communication, c'est un point clé du gouvernement. On voit très bien qu'il y a des effets d'annonce parfois pour amener à certaines certains comportements. On voit qu'on y va crescendo. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu vois cette gestion de crise du point de vue peut-être de Manitou ou des autres sociétés pour lesquelles tu travailles actuellement? Alors, de toute façon, la communication, c'est clé parce que en moment de crise, c'est un moment particulier, c'est pas l'opérationnel classique et en gros, tout le monde se demande ce qui se passe et ce qui va se passer. Voilà. Donc, simplement, et ce qui va m'arriver? Chacun pense en général à soi, au collectif, parce que c'est un moment particulier. Donc, on n'est pas dans l'opérationnel classique. Donc, il y a tout un tas d'interrogations qui naissent. Et bien sûr, la communication, quel que soit le type de crise, c'est que l'organe de direction puisse répondre à toutes ces questions via la communication. Donc l'idée, c'est faire savoir ce qui se passe, faire connaître les décisions et faire connaître à la plus grande majorité, c'est-à-dire les salariés, les clients, les fournisseurs et les tiers, qu'est-ce qu'il arrive à l'entreprise en ce moment et qu'est-ce qu'on fait pour passer le moment de crise. Voilà. Donc, il faut rassurer et il faut informer. D'accord. Donc, quel que soit le type de crise, la communication est majeure parce qu'on n'est pas dans le quotidien. Donc, on ne va pas aller informer sur ce qui se passe au jour le jour. On va dire, ben voilà, l'usine est arrêtée, voilà le problème qu'on a, voilà comment on va le résoudre, voilà ce qui va se passer pour vous, voilà les décisions qu'on vient de prendre. Et il faut que chacun puisse trouver une réponse à sa propre question. Donc, okay, moi, Oui, pardon. Je t'en prie. Donc, voilà, au départ, par exemple, j'avais pensé parler de la crise sociale, parce que ça, c'est une crise qui est la plus courante et que chacun peut être à même de rencontrer. Par exemple, c'est une grève ou une menace de grève suite à une restructuration. Donc là, effectivement, l'entreprise n'est plus dans son cours normal, mais elle s'arrête et on ne sait pas ce qui se passe. Les salariés ne peuvent plus, peuvent travailler. Et donc là aussi, la crise sociale en général, on sait que ça peut arriver quand il y a certains gros projets dans l'entreprise, certains gros projets qui quelquefois sont des transformations d'organisation qui sont mal perçues. Et là, celle-ci, on peut s'y préparer. C'est-à-dire que normalement, dans les groupes d'une certaine taille, il y a une préparation pour le dirigeant et ses équipes à savoir gérer une crise sociale avec les syndicats, comment négocier et là aussi la communication à l'ensemble du personnel, quand est-ce qu'on sort de la grève, comment on sort, à quel moment on communique à chaque fois qu'il y a des réunions avec les représentants du personnel, qu'est-ce qu'on en a conclu, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Là, on n'est pas dans l'urgence, sauf cas rare de parfois peut-être des retraits pour la mise en danger du personnel, puisqu'on le voit aussi un petit peu dans cette crise, puisqu'il y a cet aspect social finalement dans les travailleurs qui continuent à travailler. Mais effectivement, normalement, ça se prépare, puisque quand il y a des changements, on sait à peu près, quand la relation sociale des entreprises est stable, on sait à peu près les positions des partenaires sociaux et on sait à peu près ce qu'ils vont dire ou faire. Ouais, alors on sait à peu près, mais moi je me suis rendu compte dans mon expérience que les salariés ne savent pas toujours, les représentants du personnel suivent leurs propres idées, leurs propres plans d'action et puis après ils négocient, c'est-à-dire qu'on sait pas forcément avant ce qui va en découler et comment les choses vont se passer.
Donc, moi, j'ai toujours recommandé, après chaque rencontre de négociation, faire un point pour dire, ben voilà où on en est, voilà les points de blocage, voilà là où on a avancé. Et communiquer ce genre de points le plus largement possible avec tout le monde. Voilà. Et alors, c'est pour faire écho en même temps à une question de Sébastien Giannini qui nous demande justement le timing pour bien communiquer. Certains groupes mettent du temps à communiquer à leurs salariés, d'autres le font plutôt rapidement. Comment toi tu gères cette partie de timing? La précipitation n'est pas toujours terrible, mais elle a aussi des avantages. Voilà, alors la meilleure question, c'est de le faire vite et bien. Donc, plus on est préparé en amont et plus il y a un collectif organisé autour de la communication, mieux c'est. Bon, en général, dans une entreprise d'une certaine taille, il y a des professionnels de la communication, communication interne, communication externe. Donc, eux préparent tout un tas d'éléments de langage. Et puis ensuite, on définit qui communique. C'est vraiment très important. Ma recommandation, c'est que seuls des professionnels communiquent. On peut pas autoriser tout le monde à communiquer n'importe où, n'importe comment, parce qu'on voit bien le fake. On sait plus, on s'y retrouve plus. Donc, l'entreprise doit d'abord. Donc, un seul canal. Ouais, voilà. L'entreprise doit d'abord communiquer qui sont les représentants officiels. Voilà. En tout cas, de la direction. C'est-à-dire que, on dit, ben voilà, c'est le DRH qui est habilité à communiquer aux salariés, c'est la directrice ou le directeur de la communication interne qui communique sur tel sujet. On rappelle en temps de crise qui communique sur quoi et qui va être en tout cas en charge de la parole officielle. Comme ça, ça évite les fakes, parce que des fakes, il y en a toujours. Donc, quand on a rappelé en amont qui va communiquer et quand, c'est mieux. Et ensuite, bien sûr... Et ça permet de gagner un peu de temps aussi. Ouais, ma recommandation, c'est que ce soit des communicants professionnels, parce que c'est un exercice pas facile. C'est un exercice qui demande de maîtriser les mots, à l'écrit, à l'oral, de bien les peser, de mettre les virgules au bon endroit pour pas que les choses puissent être interprétées de 15 façons différentes. Donc, la communication, c'est une affaire de pro. Donc, pour communiquer rapidement, il faut en général que ce soit fait par des pros qui ont l'habitude. D'accord. Bon, c'est très clair là-dessus. Après, oui. On peut peut-être passer à la crise industrielle que tu as largement préparée. Ouais, alors, je n'ai pas largement préparé, mais je pensais que c'était un point important parce que quand on parle d'industrie... Je voulais dire dans ton parcours. Oui, voilà. Moi, j'ai souvent été basée sur des sites classés Seveso seuil haut, donc des sites classés dangereux. Et là, bien évidemment, la préparation est un point essentiel. La préparation, dans ce qu'on appelle le plan d'opération interne, c'est le guide de gestion de crise par excellence. On essaye de tout prévoir, presque au mètre près de tous les dangers qui peuvent survenir dans des sites dangereux. Alors, c'est une obligation qui est née de l'accident de Toulouse, et c'est très bien que ça existe, parce que ça permet aux salariés, aux équipes, aux pompiers, aux externes qui interviennent, comme la DREAL, comme la préfecture, les maires, ça permet de s'entraîner. Donc voilà. Donc là, les équipes en interne préparent. Alors c'est un nombre incalculable de procédures, de classeurs. Tout doit être prévu et organisé quasiment au millimètre près. Pareil, là aussi, les protocoles de communication sont définis à l'avance et pré-rédigés. Comme ça, on n'a plus qu'à rajouter les éléments propres à cette crise-là. Et donc là, c'est quand on est en usine, s'il y en a certains dans l'auditoire qui connaissent, on s'entraîne plusieurs fois par an en grandeur réelle avec des exercices soit planifiés. Donc on sait que tel jour, telle heure, on va simuler une crise importante, un incendie, une explosion. Et donc, on y est préparé. Et en même temps, une fois par an, un exercice surprise. C'est-à-dire qu'on vous appelle un matin sur le téléphone portable en vous disant, il y a une explosion dans tel atelier. On organise la cellule de crise. Et là,
Il faut prendre les classeurs, chacun porte un brassard avec son rôle, tout est défini et tout doit être fluide comme si on avait fait ça toute sa vie. Et donc voilà, donc pour rassurer, ben, c'est fait, c'est une obligation dans les sites Céveso 2 pour éviter tous les problèmes. Et c'est vrai que c'est la préparation est quelque chose d'assez impressionnant. Parce que ben, y a un vrai feu, il y a des vraies extinctions de feu, il y a des vraies personnes confinées dans une cantine. Enfin, on s'entraîne avec un exercice qui est décrit et que seules, en général, une ou deux personnes de l'entreprise connaissent. Et les autres doivent s'adapter sans savoir ce qui va se passer. Donc voilà, ça c'est assez impressionnant. Et alors, tu as eu des accidents, des crises J'ai eu l'âge de... Il y a eu des crises, un réacteur prend feu, mais tout de suite on l'arrête, après il est arrêté, ben, il faut qu'on gère la crise, comment on fait avec un réacteur de moins. J'ai eu des choses comme ça, mais j'ai eu de la chance, hein, grâce au professionnalisme des équipes qui m'ont entourée, je n'ai jamais eu d'accident grave, d'explosion, d'accident corporel. Donc là, j'ai vécu uniquement la préparation, et c'est un exercice extrêmement enrichissant. Parce qu'on voit que ça se prépare et que quasiment tout est dans la préparation, en fait. Rien ne doit être improvisé. Voilà. D'accord. C'est effectivement intéressant, cette partie préparation, que ce soit dans la crise sociale, que ce soit dans la crise industrielle. Ce qui est complexe aujourd'hui, finalement, dans cette crise, c'est que malgré qu'on aurait pu la prévoir, hein, puisque c'est pas quelque chose qui est farfelu d'imaginer une pandémie. Ça a été bien sûr imaginé, certainement sous-estimé d'ailleurs. Ça, c'est un autre débat. Mais comment arriver, c'est dans les questions qu'on nous pose, comment arriver à faire une exhaustivité finalement des risques? Sur quel outil tu peux te baser? Quelle est ta méthodologie là-dessus? Alors en fait, ben, c'est déjà de connaître son entreprise et de faire, c'est dans ce que j'avais aussi prévu de parler, c'est le comité des risques qui fait une évaluation de tous les risques. Donc là, c'est un certain nombre de personnes dans l'entreprise qui listent les risques qui peuvent arriver et qui peuvent amener à un blocage de la production. Donc on liste les risques et on dit, ben voilà, on a un risque social, ben oui, on a un risque de... pandémie, on liste d'abord les risques, et après c'est comment on peut répondre et comment on peut limiter les risques. Donc c'est tout un travail en amont de réflexion en fait, hein, de brainstorming avec les gens qui connaissent les entreprises, des cabinets qui ont déjà vécu des tas de crises et qui disent mais attention, vous avez aussi un risque de réputation si jamais vous vendez un produit qui est avarié, qui n'en a et qu'une personne est gravement malade ou décède. Le risque de réputation, comment vous le gérez. Et donc, on essaye d'encadrer tout en amont. Alors après, bien évidemment, pour revenir sur la crise que nous traversons actuellement, elle n'a jamais été prévue de cette ampleur. Et c'est vrai que, voilà, pour l'industrie ou pour d'autres types d'activités, je suppose, comme la restauration, on n'a jamais imaginé qu'une crise sanitaire pourrait nous impacter. Alors sur ce point de vue-là, en usine, comme on est quand même assez familiarisé avec la gestion de crise, il y a des réflexes. Il y a des réflexes qui restent, il y a du matériel aussi. Par exemple, je sais que dans beaucoup d'usines, les usines chimiques ou même l'industrie lourde, ben, il y a déjà des masques, il y a déjà des casques, il y a déjà des choses de protection, de protection des salariés, ça existe déjà. Bon, là, j'ai vu chez Manitou, mais la première chose que nous avons faite, par contre, c'est de donner nos stocks de masques au personnel hospitalier et aux centres médicaux régionaux, parce qu'on a estimé qu'ils en avaient plus besoin que nous. Ensuite, on a dû arrêter les chaînes de production parce qu'on n'arrivait plus à recevoir des moteurs qui étaient fabriqués en Italie. Donc, on a dû arrêter les chaînes. Du coup, nos stocks de masques, on les a donnés. Donc, dans cette crise actuelle que nous gérons et qui quand même est d'une ampleur complètement inattendue et qui est inédite, il y a des réflexes qui se mettent en place. Et ensuite, l'exécutif se met en ordre de bataille, entre guillemets,
Il ouvre la cellule de crise et là, il y a tous les travaux de préparation. On essaye de voir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui a un sens et qui ne l'est pas et qui n'en a pas. Et donc, bien sûr, ça c'était plus la partie actuelle, c'est que l'organe de gouvernance, lui, s'assure que les choses vont se passer au mieux. Et va permettre, le COMEX, lui, il est concentré sur le quotidien et sur l'opérationnel. Donc, il a la tête dans le guidon pour arrêter les usines, les arrêter en toute sécurité, protéger les salariés et réfléchir. Et le conseil, lui, soutient le management et en même temps, réfléchit. Il n'a pas la tête dans le guidon. Il n'est pas dans l'opérationnel. Et donc, en fait, il réfléchit en se disant, bon, alors, c'est quoi l'étape suivante? À quoi il faut qu'on se prépare? Et en fait, il aide à prendre du recul et à dire attention, ben là, c'est maintenant, on va regarder la trésorerie, combien on a perdu de chiffre d'affaires, combien on a besoin de trésorerie pour tenir, combien de temps, voilà, les salariés, sujet clé, est-ce que les salariés sont en situation de sécurité, est-ce que on a tenu un journal de bord. Donc ça, c'est majeur dans toutes les crises. Dès qu'on ouvre une cellule de crise, il y a quelqu'un qui doit tenir le secrétariat et qui doit répertorier quasiment heure par heure tout ce qui se passe et toutes les décisions qui sont prises. Donc ça, c'est majeur. En industrie, on le sait parce que dès qu'il y a une plainte ultérieurement ou qu'il y a quelqu'un qui revient sur les faits ou les scellés sont posés sur les installations, il faut pouvoir exactement dire ce qui s'est passé, à quel moment on a été informé de quoi et pourquoi on a réagi comme ça et pas autrement. Donc ce qu'on appelle le journal de bord de crise, ça c'est majeur. Et je recommande aussi qu'il y ait une personne formée, parce que ça s'invente pas. Donc en général, c'est des assistantes qui sont très rapides sur Excel ou sur PowerPoint, qui ont déjà un support de créer et qui ont déjà suivi une formation sur ce sujet. Et elles savent qu'elles sont cachées quelque part dans une salle de réunion où la cellule de crise est activée et elles notent tout ce qui se passe. Ça c'est vraiment important, y compris en ce moment. Et par exemple, quand on a des réunions de conseil et sur la crise, on demande au niveau du conseil à pouvoir consulter ce journal de bord. Comme ça, ça évite au directeur général de passer trop de temps à expliquer au conseil ce qu'il a fait, pourquoi, où, quand, comment. S'il y a un journal de bord qui existe, on peut le consulter et savoir quasiment ce qui se passe en temps réel. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. D'accord, c'est important d'avoir ce suivi. Et puis, effectivement, il faut y penser à chaque fois, j'imagine. Mais finalement, quand on a eu une crise comme celle-là à laquelle on n'était pas préparé, il faut savoir capitaliser sur tout ce qu'on va apprendre et collecter durant cette crise, parce qu'on n'est pas à l'abri que ça revienne. D'où l'importance de ne pas traiter que de l'opérationnel, mais aussi d'avoir cette capacité d'enregistrement des informations. Voilà. Et ensuite, dans le rôle du conseil, c'est de faire penser à certaines choses. Donc, par exemple, sur la crise que nous traversons actuellement, bon, bien sûr, le point clé numéro un, c'est la sécurité des salariés. En deux, ça va quand même être la trésorerie, est-ce que l'entreprise va pouvoir s'en remettre? Voilà. Mmh. Et ça, c'est comment on étudie la situation. Et un des points peut-être, est-ce qu'on a des contrats d'assurance? Qu'est-ce qui couvre? Qu'est-ce que disent nos contrats clients quand les clients veulent annuler les commandes en disant, voilà, on est fermé, écoutez, je vous commande plus rien. Oui, mais j'avais déjà produit pour vous et j'étais prêt à vous livrer dans la semaine. Donc là, vous n'allez pas pouvoir me laisser tomber. Donc c'est comment, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier en plus des problématiques sanitaires pour que l'entreprise puisse continuer demain. Donc ça, c'est vraiment la problématique de la gouvernance et du conseil, c'est de se dire, OK, comment on préserve le long terme de l'entreprise. Le COMEX, lui, il est concentré sur qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait dans une heure et qu'est-ce qu'on fait demain, à savoir le gouvernement. Donc là, c'est
hyper important qu'il y ait une personne qui fasse la veille médiatique de toutes les lois, de tout ce qui est en train de, d'évoluer au niveau du cadre législatif, les aides financières, les nouvelles réglementations sociales. Donc là, tu l'as mentionné, Sébastien, il y en a beaucoup en ce moment. Le droit de retrait, qu'est-ce que c'est? Comment on gère les salariés? Est-ce qu'on a un moyen de faire travailler? Est-ce qu'on a des réseaux suffisamment puissants pour que tous les gens puissent, en tout cas les personnes administratives puissent travailler de chez elles? Est-ce qu'elles ont la bonne connexion? Est-ce que la connexion est sécurisée? Donc tout ça, c'est l'opérationnel et chacun professionnel de son métier, entre guillemets, qui le vérifie et qui participe à la cellule de crise en donnant les feux verts. Voilà. Donc... Quand on a un groupe de taille internationale aussi, si le siège est basé en France, donc on essaye de vraiment suivre, et c'est plus facile pour nous quand on est en groupe français, de suivre ce qui se passe au niveau du législatif français, mais quand on a des filiales aux États-Unis, ils vont pas avoir les mêmes obligations légales que nous, ils vont être obligés de se confiner différemment, plus tôt, plus tard, différemment. Nous, on a, chez Manitou, par exemple, on a beaucoup de sites en Italie, donc ils ont été impactés beaucoup plus tôt. Et comme ils sont en amont de la chaîne, on a rapidement vu qu'on allait devoir nous arrêter. Et ensuite, l'idée aussi, c'est d'être sûr que dans les autres pays, on respecte aussi bien toute la législation qui est en train de se mettre en place, donc bien respecter, et également comprendre les mesures financières que chaque gouvernement est en train de mettre en place dans son pays. Donc là aussi, voir si en Italie on peut bénéficier de telle aide et pas de telle autre, et si on peut retarder les paiements des impôts, les paiements des taxes. Donc ça, c'est un travail gigantesque pour les directions financières, les directions juridiques, parce qu'il faut s'assurer dans son pays et dans les autres pays dans lesquels le groupe est présent. Ok. Sur la partie, donc là on était effectivement sur le rôle du COMEX. Comment tu définirais finalement une bonne équipe de gestion de crise? Quelles doivent être les personnalités? Quelles doivent être parce qu'elles doivent être déjà différentes suivant les axes. Comment tu constitues toi une équipe de crise? En fait, c'est quand même la même équipe que celle qui est là au quotidien. C'est les mêmes, hein. Simplement, ils changent de casquette et ils se mettent en position urgente. Et c'est vraiment se plonger. Mais ça, je pense que chacun le fait naturellement. Si en plus, il a été formé avant, c'est d'autant plus simple. Mais quand même, dans l'organigramme de crise, la chose importante, c'est les suppléants. Parce qu'au moment où la crise se passe, c'est pas forcément, peut-être que, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais le directeur informatique dont on va tous avoir énormément besoin, il est bloqué aux US, il était parti en vacances avec sa famille, il n'arrive pas à rentrer. Donc le point clé dans la cellule de crise, c'est d'avoir prévu les suppléants. Parce qu'en rôle numéro un, c'est en général le COMEX, c'est-à-dire le directeur informatique intervient sur l'informatique, le directeur juridique intervient sur sa partie, mais ce qu'il faut... Le principe de la crise, c'est qu'en général, on l'avait pas prévu à l'instant où elle se passe. Donc, on n'est jamais sûr. En plus, là, c'est une crise sanitaire. Mais tout le monde peut être malade, tout le monde peut être touché et pas à même de pouvoir travailler. Donc, dans un organigramme de cellules de crise, il faut toujours avoir prévu les plans de succession et que, bien évidemment, le successeur sache que c'est lui le successeur, c'est-à-dire, le numéro 2 de l'informatique. Il faut qu'il soit au courant de ce qu'on attend de lui. Donc il faut qu'il ait été prévenu à un moment, ton chef est pas là, il est indisponible, il est bloqué en Inde, il est bloqué en Chine, et c'est à toi, maintenant t'as le brassard, et c'est à toi de décider de remonter l'info, de nous dire si les réseaux sont assez puissants. Donc dans l'organigramme, il faut les successeurs, et que les successeurs, s'ils ont été formés avant et prévenus qu'à un moment ça pouvait être de leur responsabilité, c'est quand même mieux. Parce que c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que bon, il faut pas qu'ils découvrent, l'assistante RH qui découvre que tout d'un coup, c'est à elle de faire ci et ça. Donc le mieux, c'est d'avoir, bien sûr, si on a prévu un
organigramme de gestion de crise, que les successeurs soient au courant, qu'ils aient accepté avant et qu'ils aient un minimum entendu parler du rôle qu'on allait leur demander de jouer. D'accord. Ouais, c'est... Finalement, c'est un peu les mêmes principes que dans l'aviation. On va doubler les commandes, histoire que, de savoir de prendre le minimum de risques. C'est d'ailleurs Riyad qui nous parle de plan de continuité d'activité, le PCA, et qu'effectivement, il faut, c'est l'importance de le préparer, mais de le tester aussi pour éviter les écueils. Parce qu'on peut avoir imaginé, comme tu le dis, dans un organigramme, dans un PCA, de dire, ben tiens, si le numéro 1 n'est pas là, c'est le numéro 2 de l'informatique qui va reprendre la main. Mais encore faut-il qu'il soit au courant et qu'il sache ce qu'il doit faire. Oui, et puis qu'il sache le faire et qu'il veuille et qu'il soit là. Donc, c'est pas aussi simple. Et puis, dans le plan de continuité, c'est pas non plus toujours ce à quoi on s'attend. C'est-à-dire qu'en fonction de la crise, l'orientation ou le projecteur peut être mis sur des sujets sur lesquels on s'attendait pas. Par exemple, chez Manitou, on vend des chariots élévateurs, du matériel de manutention, et on vend aussi beaucoup de pièces de rechange. Et en fait, là, on a dû arrêter la production et le focus très rapidement pour les clients dans l'agriculture qui continuent de travailler parce qu'on a tous besoin de se nourrir, c'était de pouvoir réparer les engins qui sont dans les champs. Et donc, la seule, en tout cas en France, activité qu'on a maintenue grâce à du volontariat, donc là, c'est les salariés qui sont d'accord pour venir travailler, bien évidemment en étant protégés et respectant les consignes sanitaires, c'est de faire tourner le magasin de pièces détachées parce que c'était devenu le point crucial. Donc on pouvait arrêter la production parce que les nouvelles machines, de toute façon on pouvait plus les produire, et les clients avaient fermé, les Kiloutou, les gens ont dit on ferme nos agences. Par contre, ceux qui travaillent dans les champs ou qui ont continué sur le BTP, eux avaient besoin de pièces détachées pour continuer. Donc là, il est rapidement, et c'était pas forcément ce qui est identifié de façon classique ou ce qui avait été identifié dans le guide de gestion de crise, mais on a tout de suite compris que le magasin pièces de rechange, lui, on pouvait pas l'arrêter. Et là, on fait appel à tous ceux qui n'ont pas d'enfants à garder à la maison pour venir faire tourner le magasin. Donc, il faut aussi que... Mais ça, en général, les personnes sont toujours des bons professionnels de leur activité. Ils le voient vite. Et donc, on voit vite où le projecteur s'oriente. Donc, il faut savoir redéployer les équipes et réorganiser le travail en fonction des priorités. D'accord. Un point qui est important, et là on est à la fois sur le pendant de la crise et l'après, c'est un point que tu as abordé tout à l'heure, c'est la partie trésorerie. Oui. Quel est ton point de vue là-dessus? Comment tu fais un état des lieux et comment tu agis? Donc là, pareil, dans les organisations en général, il y a des financiers. Et les financiers, la première urgence, c'est de faire un diagnostic de trésorerie disponible et un plan de trésorerie en fonction des éléments dont ils ont connaissance. Parce que c'est ça qui va permettre de voir si l'entreprise va tenir pendant la crise, parce que l'entreprise doit quand même payer les salaires et se les fera rembourser un peu plus tard lorsque le chômage partiel a été validé par le gouvernement. Et donc, il faut revoir tous les éléments constitutifs de la trésorerie, de quelle façon ils sont impactés par la crise. Donc on voit rapidement, quand on n'a plus de chiffre d'affaires, on n'a plus cash qui rentre. Et qu'est-ce qu'on est obligé de payer? Qu'est-ce qu'on peut retarder? Est-ce qu'on peut... Et ensuite, il faut être réaliste, la situation actuelle impose quand même toutes les entreprises, de vraiment maîtriser la trésorerie et connaître les lignes de crédit, ce que les banques ont déjà autorisé, ce qu'elles vont autoriser en plus, et voir comment on va passer la période difficile. Donc, très rapidement, il faut savoir quels sont les freins qu'on va pouvoir activer, comme les investissements, qu'est-ce qu'on va pouvoir étaler, qu'est-ce qu'on va pouvoir retarder pour sauver un petit peu de trésorerie. Bien évidemment, il faut faire des tests d'insolvabilité. Et puis, pour les entreprises qui sont avec des fonds et des covenants, est-ce qu'on va passer les covenants? Donc là, c'est compliqué parce qu'il faut le faire maintenant alors que tout le monde n'a pas
toutes les informations et qu'il y a de grandes incertitudes. Donc ça demande aux financiers qui en général ont l'habitude de faire plusieurs scénarios. Dans le scénario catastrophe, un scénario moyen et un scénario optimiste. Et à partir de là, on voit quelle est la marge de manœuvre. Et également, la partie financement, c'est quelles sont les mesures d'urgence gouvernementales en France, à l'étranger, qu'est-ce qu'on va pouvoir activer. Et pour le Conseil, c'est aussi de s'assurer que si, par exemple, on veut bénéficier de mesures telles le chômage partiel, on n'est pas par ailleurs des décisions qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir en bénéficier. Donc là, je fais allusion à ce qui se passe en ce moment, le grand débat sur la distribution de dividendes, puisque le gouvernement dit les entreprises qui verseront des dividendes, on ne leur accordera pas forcément les mêmes avantages. Puis après, bien sûr, c'est la FEP et le MEDEF qui se mêlent des débats en disant mais il y a des entreprises qui versent des dividendes parce que un actionnariat familial a besoin de dividendes pour payer, parce que auparavant c'était le cas sur l'impôt sur la fortune, hein, parce que une propriétaires d'actions n'ont pas d'actifs forcément liquides et ce n'est que le reversement des dividendes qui génère des revenus pour les actionnaires et qui permet de payer des impôts. Donc du coup, il y a tout un débat en ce moment sur les entreprises qui vont verser des dividendes et en même temps pouvoir bénéficier des aides de l'État et des mesures gouvernementales. Et là, c'est vraiment le rôle du Conseil de dire, qu'est-ce qu'on fait? Oh, pardon. À quelle hauteur? Et qu'est-ce qui est le plus conforme à l'éthique, à la taille de l'entreprise et à ce qu'on veut faire demain? Est-ce qu'on veut... Donc, on voit, vous le voyez sans doute dans la presse, hein, certaines entreprises ont décidé de verser des dividendes et de pas demander d'aide au niveau du chômage partiel ou d'autres. Et certaines, au contraire, disent non, on ne sait pas, donc on va retarder les dividendes ou les diminuer ou ne pas en verser cette année pour pouvoir préserver la trésorerie ou avoir recours aux aides de l'État. Donc ça, c'est des débats de maintenant parce que les assemblées générales, la période d'organisation, c'est là en ce moment. Donc là aussi, il faut suivre tout ce qui se passe au niveau législatif parce que le gouvernement vient d'autoriser à faire des assemblées générales à huis clos par digital, en fait. Ouais. Et donc du coup, c'est est-ce qu'on l'actionne? Est-ce qu'on avait prévu de faire ça en fin juin? Est-ce que fin juin, on sera sorti du confinement? Est-ce qu'on aura l'autorisation de faire des grandes réunions avec beaucoup de personnes? Ou est-ce qu'on prend l'option de faire quelque chose à huis clos? Auquel cas, il faut qu'on soit prêt la semaine prochaine, alors qu'on a beaucoup encore d'incertitudes pour prendre des décisions quand même majeur pour l'entreprise, pour ses actionnaires et pour sa trésorerie. Donc là aussi, chacun, entre guillemets, à son niveau, a des décisions à prendre et un driver important est ce que veut faire le gouvernement, quoi. Et comment il légifère. Donc ça, il faut toujours suivre en temps de crise ce qui se passe au niveau de la loi parce que, bien évidemment, il est recommandable pour personne de ne pas... De s'exonérer de la loi. Ah, tout à fait. Ouais. Alors, on a des petites questions qui arrivent aussi au fur et à mesure. Il y a une question sur la partie client. Comment aujourd'hui, donc c'est Sarah qui nous pose cette question, sur la partie d'acquisition des clients, que sur un milieu un peu particulier, c'est la partie industrielle, mais comment tu gères ta relation avec tes clients, tes prospects? Est-ce que tu continues à leur communiquer en disant que tu as envie de travailler avec eux? Comment tu vas gérer cette partie-là? Alors, bon, de toute façon, la relation avec client, elle est toujours majeure. Donc, effectivement, l'option fortement recommandée, c'est que les commerciaux travaillent de chez eux et continuent à préserver la relation client. Et donc là, c'est de la même façon. D'abord, la priorité, est-ce qu'il y a un client qu'on n'a pas pu livrer et c'était urgent pour lui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a des stocks? Est-ce qu'on a des stocks dans un autre pays? Est-ce qu'on peut faire en sorte de le livrer si lui, il est ennuyé? Donc, il y a vraiment... Les commerciaux sont en première ligne pour communiquer avec les clients, essayer de préserver la relation
à long terme. Et pour préserver à long terme, il faut savoir gérer la priorité et le court terme. Donc ça c'est aussi alors, un axe. Là, t'es dans les relations établies. Oui. Est-ce que dans l'acquisition, tu penses que c'est un que c'est risqué de tenter de faire de l'acquisition dans cette période? Non. Moi, je pense que c'est chacun doit a des business models et puis s'il y a des marchés intéressants ou des clients potentiels qui sollicitent l'entreprise, il faut le faire. Moi, ce que je recommande, c'est de toujours rester éthique. Voilà. Et s'il y a un opportunisme dans les affaires, bien sûr, mais en restant éthique parce qu'il faut toujours privilégier le long terme. Donc dans l'exemple de l'industrie chimique, par exemple, en ce moment, beaucoup de sites de chimie se sont reconvertis à la demande du gouvernement et au vu de la demande de tout le monde dans la production de gel hydroalcoolique. Et on est bien content. Donc je pense qu'ils vont... Alors certains ont commencé à faire des dons. Ensuite, ils vont bien évidemment le vendre et ça s'est passé par des plateformes. Au lieu de faire des passages directement client-fournisseur, hein, il y a les fédérations comme la cosmétique ou la détergence ont mis en place des plateformes où tous ceux qui ont besoin de gel mettent leurs besoins et tous ceux qui peuvent en fournir ou qui reconvertissent leur outil de production le font. Voilà. Donc, ça me paraît toujours important de privilégier les relations clients. Hein. Donc, on change de ton finalement, mais on continue à garder le lien et à le préserver. Mais oui. J'ai Il une devrait question... en sortir renforcé. Oui. J'ai une question d'Olivier qui nous demande est-il possible et que faudrait-il mettre en place pour que la crise devienne une opportunité pour fédérer ses équipes, ses clients et son écosystème? Alors, ce qu'il faut savoir, et ça peut paraître antinomique, mais ça ne l'est pas, c'est qu'en général, une crise est fédératrice. Quand une entreprise a traversé un moment difficile, ça soude. Parce qu'en général, les salariés tiennent à leur entreprise, les clients tiennent à leurs fournisseurs et les fournisseurs tiennent à leurs clients. Donc, quand on a traversé une crise ensemble, on en sort renforcé. Donc, moi, je pense qu'il y a plein de choses positives qui vont en sortir et va aussi ressortir les liens essentiels. C'est-à-dire que ceux qui ne l'étaient pas vont passer à la trappe et la crise va faire ressortir le fournisseur qui va vraiment vous avoir dépanné parce qu'il va s'être décarcassé pour vous livrer ce dont vous aviez besoin. Il va y avoir le client qui va dire « non, moi je t'avais commandé le truc, je te lâche pas ». Voilà. Il va y avoir toute forme de réaction plus ou moins éthique aux affaires. Et ça va permettre de ressortir, je pense, ce qui est le plus fort dans la collaboration de l'entreprise, y compris entre les salariés, en fait. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait activer particulièrement? Là, on est quoi sur la communication, finalement, à ses salariés, message de fédérateur? Ouais, je pense que... Oui, c'est assez... je sais pas que je suis anormalement optimiste, mais ça se fait de façon assez saine et assez naturelle, en fait. Chacun va vouloir apporter sa pierre à l'édifice. Moi, j'ai vu rien que chez Manitou pour des volontaires, mais il y en a eu. Alors, il y en a qui disent, non, moi, je peux pas, j'ai 4 enfants à la maison, voilà. Mais dès que quelqu'un le peut, en général, et on a plus de volontaires que ceux dont on a besoin. Donc, il y a la communication qui est importante pour que chacun sache ce qui se fait. Et donc, en général, quand on sait qu'il y a beaucoup de volontaires, on se dit, c'est bien, est-ce que vous avez besoin de moi? Oui, non. Chacun se positionne. Mais pour activer un collectif, il y a la communication pour que chacun reste informé, au courant et engagé. Et après, la sollicitation naturelle. Ok, donc finalement, on revient à l'essence même des hommes et de leurs relations. Il n'y a pas besoin d'agir plus que ça. La communication reste effectivement importante et ça c'est une question de Riyad qui nous demandait si on doit avoir finalement une communication de masse ou on doit faire une communication sélective. Il faut faire les deux, hein.
Il faut faire les deux, en fait. Donc, il faut avoir une communication, ce qu'on appelle corporate, qui est pour l'ensemble des salariés, l'ensemble des clients qui se demandent aussi hein, ce qui se passe. Et puis ensuite, on a besoin de faire des communications très ciblées pour aider à prioriser les actions. Donc, comment, je sais pas, un pool d'assistantes, ok, ben voilà, votre priorité pendant la crise, ça va être ça. Et là, il faut communiquer que aux assistantes. Après, au service informatique, ben, votre priorité pendant la crise, c'est la sécurité, c'est ci, c'est ça, c'est... Vous voyez, recommuniquer sur les priorités à chaque service. Hein, et puis, chaque service a les siens et pas ceux du voisin, quoi. Donc là, il faut faire les deux. C'est pour ça que le travail de communication est super important. Hein. Oui, c'est évident. On va peut-être conclure sur le Covid. Tu avais prévu quelques petits conseils et puis ça laissera sur les moins de 10 dernières minutes qui nous restent aux gens de poser quelques questions. Alors, on a quand même pas mal couvert hein, dont je voulais parler, d'accord. L'anticipation des absences, la redéploiement des équipes, l'organisation, réorganisation des capacités des outils, la protection en premier, la partie trésor, on l'a déjà vu, avec l'état des lieux, le renforcement. On a parlé ouais, un peu bon, tout, hein, sur la supply chain aussi. On avait aussi, penser à dire, il est probable que de la crise va naître un nouveau business model. Pour beaucoup d'entreprises, on va se rendre compte que la façon dont on gérait nos appros, la crise actuelle nous permet de voir qu'il y a quelque chose qui va pas ou qu'on n'avait pas les bons stocks au bon moment et que de mettre, par exemple, que des moteurs qui viennent d'Italie ou de Chine, bon ben là, on n'a vraiment pas eu de bol, plus de moteurs, mais... Prochaine fois, on peut se dire, bon, est-ce que finalement, il faut pas diversifier différemment notre chaîne d'appro? Donc, il y a des changements long terme de business model qui vont apparaître. Ça me paraît inévitable. Et ainsi que pour en industrie, revoir les implantations. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les bonnes implantations au bon endroit? Et est-ce qu'il y a moyen de tirer des leçons de cette crise, de s'organiser autrement en termes de flexibilité, de risque de conformité aussi, voilà. Donc ça. Tu sens par exemple pour le point de vue de Manitou, tu sens qu'il commence à y avoir des réflexions justement sur ramener le plus possible d'éléments pour assurer une chaîne de production locale. Donc là, on est encore trop en amont. On est encore trop en amont dans la crise, mais je pense que ça sera dans la crise et puis dans ce qu'on va faire en termes de gouvernance, comment on va redémarrer certaines activités, quand. Donc là, c'est encore trop frais. Mais dès qu'on réfléchit en s'asseyant sur son canapé, en se disant « qu'est-ce qui s'est passé ?», on voit qu'il va y avoir des choses qui vont changer. Et c'est pour ça, là, je reviens à ce qu'on disait au début, c'est que c'est important la gestion de crise et c'est important de dire, bon, voilà, la crise est finie, là, on sort. Maintenant, on revient à un opérationnel quotidien normal qui va quand même être compliqué puisqu'on voit bien que les sorties de confinement ne vont pas se faire tous en même temps et que chacun va pouvoir reprendre le travail en fonction de sa santé, en fonction de son collectif, en fonction de s'il aura eu le temps de faire son test. Et donc, ça va être une reprise. Ça va pas être on-off. Ça va prendre du temps. Et du coup, à un moment, il faudra dire on sort de la crise et quels sont les key learnings? Comment on arrête? Et qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Et là, il faut prendre un temps. Et celui-là, c'est pas encore maintenant, ça sera peut-être en juin, peut-être en juillet, de dire qu'est-ce qu'on retient de la crise et qu'est-ce qui a fait qu'on a été plus bloqué et qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux et qu'est-ce que la crise nous a apporté. Et ça, c'est important de prendre le temps de le faire parce que des fois, on se rejette dans l'opérationnel tout de suite et on n'a pas le temps.
Donc là, c'est aussi le rôle du conseil de dire bon bah stop et de demander. Alors on est là aussi un peu pour challenger le directeur général et puis pour lui demander des travaux qu'il a pas forcément envie de faire. Mais on lui dit bah maintenant, qu'est-ce que tu retiens de la crise? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'il faut faire mieux? Et ça, il faudra prendre le temps de le faire. D'accord, ben ça sera effectivement essentiel. Alors je vais juste peut-être prendre une dernière question et puis après on va conclure. J'ai Sébastien qui me demande une bonne gestion de crise sur le plan management, mais pas qu'une question de forme, de fond, moyen déployé. Est-ce qu'une bonne gestion de crise sur un plan humain est plutôt une question de forme ou plutôt une question de fond? Comme toujours, les deux, hein. Pour Les moi, deux. l'un ne va jamais sans l'autre, hein. On peut faire quelque chose de bien sur le fond, mais si on le communique mal, c'est raté. Et puis, ça sert à rien de faire la communication un peu inutile s'il n'y a pas du fond derrière, quoi. Voilà. C'est pas la peine de faire un message de com, de parler de protection et puis de demander aux salariés de venir et de ne pas être protégés parce que tout de suite, dès que c'est antinomique, ça se voit et c'est contre-productif. Donc, il faut toujours accorder le fond et la forme, sinon ça ne sert à rien et c'est même pire. Ok. Eh bien, je pense qu'on va rester pour tenir le timing là-dessus. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Carole? Non, bah, je voulais vous remercier. Je trouve que c'est, alors bon, il faut rester très humble, hein, parce que la crise actuelle, personne ne l'avait prévue. On ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir et personne ne peut donner des leçons à personne d'autre. Hein. Ce en quoi moi je crois, c'est dans la force des collectifs. Voilà. Donc c'est toujours en étant plusieurs qu'on réfléchit mieux, qu'on agit mieux, qu'on se fait penser les uns les autres à telle et telle chose. Et plus on est ordonné, mieux ça se passe aussi. Donc c'est vrai qu'en temps de crise, on revient un peu à l'armée et on revient au collectif qui va assurer que la crise se passe au mieux. Et je dis ça, c'est important, c'est un collectif, c'est aussi suivre un chef, qu'il soit le chef d'entreprise ou un chef de gouvernement, et que le temps de la crise, ce n'est jamais le temps de la discorde. C'est-à-dire, c'est comme sur un bateau, quand on traverse la tempête, on écoute le capitaine, on en prend plein la tête, mais on se tait et on fait ce qu'il nous a demandé. Après, on pourra s'engueuler, mais On après. peut débriefer. Ouais, on s'engueulera au débriefing, mais sur le moment, c'est complètement contre-productif d'aller contester, supputer je sais pas quoi, ou aller accuser. Ça fait que perdre son temps. On peut toujours faire des contributions positives. Ça enrichit. Mais pendant la crise, les contributions négatives, malheureusement, ne servent à rien, qu'à ennuyer, qu'à faire perdre du temps. Donc moi, je suis pour les contributions positives et les collectifs bien ordonnés. Je Et comprends. après les débriefings. Après les débriefings, Et pardon. après, le débrief est ultra important. Et ben on va conclure là-dessus. Moi, je voulais rajouter un petit mot pour dire que ben effectivement le collectif est ultra important. On en est convaincu au niveau de l'association MBS Alumni. C'est notre quotidien. Donc, on est très content d'avoir fait ce premier webinar. On espère en faire d'autres. On espère surtout continuer à faire ce qu'on fait bien tout au long de l'année et toutes les équipes qui représentent les alumni en France et à l'étranger, qui organisent des événements, des after-work, des conférences. L'équipe qui organise aussi chaque année le DD, l'école aussi avec qui on organise de nombreux événements. Voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, vous pouvez compter aussi sur le réseau des alumni, c'est très important, aussi bien pour des conseils comme bah, l'a fait gentiment et gracieusement aujourd'hui Carole, de prendre un peu de son temps pour préparer tout ça. Ça aide tout le monde, donc n'hésitez pas à partager le contenu de la présentation, sera partagé par PowerPoint. Vous pourrez aussi revoir le podcast du coup sur YouTube, je pense. Merci à tous, merci aux équipes de Montpellier qui ont
ont fait un gros travail, que ce soit Dominique, Coralie, Sophie, Virginie. Voilà, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt pour certainement un nouveau webinar et à très bientôt aussi pour se retrouver sur un Afterwork en Ile-de-France ou ailleurs dans le monde. Merci à tous. Merci Sébastien. Au revoir. Au revoir.